Bon, bonjour les gens. Aujourd'hui, on fait un truc un peu différent. On n'est pas en élagage, on n'est pas en frôlon. On est aujourd'hui, on va aller démonter une haie. Donc, c'était un petit peu pour vous faire voir. Donc, devant, vous avez mon petit frère là-bas. Voilà. Voilà, on est sur le chemin pour aller bosser. Devant, vous avez mon petit frère qui est là-bas en train de nous montrer la route parce que c'est un chantier à lui. Et derrière moi, j'ai le gros bébé là, le gros broyeur. Et là-bas au fond, alors vous risquez d'avoir un peu de vent, je ne sais pas ce que ça donne dans le vent. Hein. Vous avez deux amis à nous qui vont nous aider, je vous les présenterai tout à l'heure. Vous avez deux amis à nous qui vont venir nous filer un petit coup de main. Voilà. Ça va être donc vous voyez derrière j'ai un petit peu voilà, regardez. Donc, aujourd'hui c'est gros déplacement de matériel et je pense qu'on va bien s'éclater. On va peut-être en chier, mais on va s'éclater. Allez, à tout à l'heure pour les présentations. Bon. Bonjour les gens. Donc aujourd'hui, vous avez notre ami Richard qui est là. Voilà. Qui est venu nous filer un coup de main. Donc pour l'indication, Richard, il fait de l'entretien espace vert. C'est ça Richard? Entretien espace vert. Voilà, création, tonte, taille. Du côté de on va dire Orval, le Buisson, voilà, Surac, enfin tout ce côté là quoi, le Coux, Saint-Cyprien, voilà. Et là bas vous avez notre tailleur fou qu'un de ces jours je vous ferai voir. Alors nous on l'appelle Réminou. Voilà, alors Réminou il est heureux parce que il a un camion Il a un camion tout neuf, il est en train de monter la tente, Réminou. La tente est prête, c'est bon les amis, on va pouvoir faire l'apéro. Donc vous avez Rémi qui est là. Voilà. Alors l'entreprise c'est Rémi Nature. Polyvalent, camping. Voilà. Rémi Nature, vous pensez, nous créons ensemble. Oui. Voilà. Si un jour, si vous l'appelez, vous verrez, c'est son répondeur. Donc voilà, vous avez Rémi qui est venu nous filer un coup de main parce que voilà, nous on a ça à faire. En fait, il faut enlever la haie qui est par là, là, de ce côté-là, là en faisant le tour jusque là-bas. Voilà. Donc tout ça à zéro, coupé en bas, broyé, évacué, enlevé de là, tout propre, tout nickel, ratissé, voilà. Donc voilà, alors Rémi, pour l'indication, parce que j'ai fait pour Richard, j'ai pas fait pour Rémi, excusez-moi. Rémi, lui, il est alors lui, il est paysagiste. Voilà, c'est notre ami paysagiste. Alors Rémi, il intervient du côté de Beaumont-du-Périgord, Beaumont, Montpazier, tout ce coin là-bas, quoi. Tu vas jusqu'à Bergerac, c'est ça? Ouais. Donc voilà, Rémi. Ouais, Montbazillac, Bergerac. Enfin voilà, il fait un petit tour. Un petit tour d'horizon par là-bas et puis donc voilà, si vous avez besoin de lui n'hésitez pas à appeler. Vous pouvez faire appel. Alors il fait de la création, Rémi. Rémi par contre lui, il fait beaucoup de création avec il fait des trucs vachement beaux quoi. Alors nous on les a vus, je vous les ai pas fait voir, mais bon, allez voir sur sa page Facebook. Oui. Vous verrez, il a des créations qu'il a fait, il a des trucs assez sympas à l'intérieur de restaurants, à l'extérieur en piscine avec un ferronnier, un forgeron où il a rhabillé les structures métalliques. Enfin, c'est super beau. Rémi Nature, vos pensées, nous créons ensemble. Voilà. Et le site Facebook, c'est Rémi Nature, votre entrepreneur paysager. Voilà. Voilà, vous avez tout. C'est voilà.
vous avez tout. Voilà, donc nous on va s'attaquer à ça, et puis au fur et à mesure on vous donnera un petit peu l'avancement, parce qu'on va quand même en chier un petit peu au milieu. Hein, voilà. Allez les gens, à tout à l'heure pour l'avancée. Bah. J'ai bon les gens, voilà un petit peu, ça a un peu avancé. Bon, attention au bruit. Allez les filles, on y va. Allez. Alors attention au bruit là. Hein. Allez.
Je vais vous couper parce que ça va faire du bruit. Allez, à tout à l'heure, on fera une petite interlude. Ça va? Tranquillement, c'est cool. Hein? Je t'ai vu dans la vidéo celle-là? Ouais. Oh merde, elle m'a dit c'est un gâteau anglais. Ah ouais? T'en veux? Ça va, t'es bien vu? Ah ben je l'ai vu là-bas dans le fossé, elle était embourbée la pauvre. Elle était embourbée. Ben j'étais en train d'avancer mon canot, je vois quelqu'un, je dis qui c'est, ben elle était là. Ah ouais, gâteau anglais pour nous. Ok. Elle était embourbée la pauvre. Ah, c'est sympa? Ouais, c'est gentil. Et alors? On est pas bien là? Caro! Si tu regardes la vidéo, Caro, regarde. Prends l'assiette. Alors, il y a l'assiette, tu la gardes. Elle a passé. Alors vous, vous avez que l'image. Mais ça a l'air bon. Hein. Eh, si on continue comme ça, il a le pardon. Ah, il crado. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Ah, ça a l'air. Mais quand même, c'est mieux. Bon, trois bon. Merde. J'ai fait du bateau, moi. Pas de branche, pas de chocolat. Eh ouais, c'est la vie. Pas de chance. Moi qui regarde, allez, vas-y. Et ça, on leur faisait des sculptures. Ouais, après. Ouais. Et totem. Ouais. Ouais. Non, il y a des fraises. Donne-la à mon frère. Mais il est sur le poteau, ouais. Ah ouais, grave, j'ai le palan de là qui m'a fait. Alors, gâteau anglais. Je m'en lâche une babine. Mais si on en prend un morceau, tu. Non, je ne mangerai pas là pour moi. C'est trop super, mais très gentil. C'est de la génoise avec de la crème. Je sais pas ce que c'est, mais. C'est du sucre glacé. La sève, c'est bon, j'adore. C'est mélangé un peu au résineux. Ouais, c'est bien que c'est avec les mains. Ah, j'aime bon, c'est bon. Ça. J'aime bon. Hey. Qui c'est qui veut la dernière? Faut la manger parce que de toute façon, c'est dommage, elle aura fait pour rien, la dame. Ah, moi j'en ai plus. Moi, on peut faire des chers, vas-y. Ce soir après, c'est pas. On peut belle la vie, un peu de vélo. Ça va, c'est bon. J'ai deux années. Chérie, je peux t'expliquer. Je suis bourré, mais bourré de gâteau. Un peu de vélo d'appartement devant le plus belle la vie. Je sais pas ce qu'on va manger parce que j'ai vraiment pas faim. À bouffer. Regarde bien. N'y est pas. Hein. Ouais, c'est toujours ce qu'il y a de bien de faire. Avec un reste, tu t'inventes un plat de malade. Mais tu sais, tu lui donnes même y un nom sur le plat. De... On est quel jour? C'est bon ça, Richard. De... J'aime beaucoup les gâteaux anglais. Quand je vois les. Ah, il s'est fini, il achète tout seul. Allez, bâtard. Cette vidéo, on va la garder pour nous. Hein. Je vais le garder pour tout à l'heure. Dans la poche. Je vais le garder pour la route. Elle est cassée, cette vidéo. Ça faisait longtemps que tu filmais? C'est le petit moment, ouais. Il m'a vu arriver faire un petit nœud dans la prairie avec le gâteau. Dans les mains. Tam tam. Ok. Tout va bien, ok. C'est cool. C'est pas facile. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui croient qu'on s'amuse. Je suis sûr qu'on voulait un truc, c'est qu'on ferme notre gueule à moins 5 minutes, c'est pour qu'elle ait un peu de repos. On va leur donner à bouffer, c'est qu'on a un français. On se calme pendant moins une demi-heure. On va pouvoir être tranquille. Le plus chiant, c'est pas encore là, hein, c'est là. Ah. Là. On peut tout péter là. Y'a aucun problème. Mais on le laisse, c'est ça? On peut tout péter, il n'y a pas de problème. Comme ça, il faut tout à zéro. Coupe tout. Et nous, on coupe pas le verre. C'est ça, on coupe pas le résineux.
Mais si on veut, on peut péter. Ouais, mais c'est pas compris dans le truc. Nicolas, tu savais le matin, ça y est, vous allez retourner à la maison. Ok. On m'a dit les arbres. C'est le matin, ils ont l'air aucun problème. Putain, y'a trop de verre ici. Et on prend le jour et on est crêpé, on va retourner à moi. Oui, mais c'est pas compris dans le truc qu'on fasse. Ah, t'as compris là. Mais si ça nous arrange d'en faire tomber les morceaux dessus et que ça le cadre, c'est pas grave. Eh, hey, si tu. Un beau chien, quoi. Putain, t'es un couvert, t'es un beau chien, Ah putain, non, c'est gentil, ça part. Franchement, des clients comme ça, c'est pas commun. À nous, tout le temps. Non, non, c'est rare. Hein. As-tu le café le matin? On les voit arriver avec le plateau, le café, les petits gâteaux et tout. C'est ça. Ah ouais. En général, on fait. Vous voyez qu'on se crève dans le bout. Bah ouais. Ouais. C'est gentil. Hein. De la pause. Tu dépressions? Non, mais là je suis en dépression de gaz. Vive la campagne. Ah, un peu d'air. Non, je vais lâcher une petite, c'est pas méchant. Ouais, ça, c'est les pattes, c'est normal. Ça picole, ah, les pattes. C'est les pattes. C'est les restes. C'est les restes des pattes. On n'a pas pu les bouffer, c'est plus de pattes. Putain, t'as la con, là, c'était con. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un procès aussi. J'ai oublié, quoi. Et il y en a un, il m'a dit, mais fais un procès même à la... au Coquio. Coquio, c'est pas normal qu'il est sur avec la sécurité. Ah, c'est pas con. Ah, pas con, mec. C'est pas con. Ah, celle-là c'est plus chiant, il faut l'appeler à mon dame. Ouais. Jusqu'en haut. Je suppose que les canons et le broyeur vont pas à l'arrière. Ça c'est trop beau. Non, il y a la piscine derrière. Elle est vide la piscine? Non, c'est mon passe-tête de remplir. Elle pourrait être vidée si on pourrait le remplir. Qui part en vacances là, donc il aurait pu très bien pas la mettre en eau ou pour, la faire, le... comme elle est. Pour faire la vaisselle à l'assiette. Putain, on l'a rempli de broyeur. Elle est où l'assiette d'ailleurs? Ah oui. Ah oui, d'accord. On va la laver plus loin. On va la laver après. Ah, mais il y a que la bouteille d'eau qui est restée là. Avec le sucre qui va décoller à la tête. Non, mais ça se
T'as construit ton foyer avec ça. Oh, vous avez vu? C'est des dingues. Bon. Aujourd'hui, deuxième jour. Voilà. Encore à monter un petit peu, montrer un petit peu ce qu'on a fait durant ces deux jours. Voilà, donc ça après ça va être tout coupé. Voilà, mais c'est pas nous qui le faisons. Nous on est là que pour des problèmes tels que celui-là. Là. Donc on en a enlevé une déjà là, à ce niveau-là. Il reste la deuxième qui est sur la toiture. Voilà, donc il y a Candide qui va grimper dedans. Donc ce matin, hier vous avez vu là-bas. Donc ce matin on a fait celle-là, qui était là, dans ce rond-là. Donc vous voyez, une belle petite bête. Hein, assez haute. Voilà. Et on a fait donc quand on voit le trou, on imagine le morceau quoi. Voilà. Quand on voit le trou, on voit bien. Voilà. Donc voilà, ce matin, il faut savoir qu'on en a sorti 10 camions broyés. Voilà. Donc beaucoup de travail. Voilà, donc là, à part ça qu'on va enlever après, là, au dernier camion. Là, parce que ça, on peut pas le broyer, c'est trop gros. Donc, ça passe pas. Donc voilà, hein, ça faisait une belle sapinette. Ouais. Donc voilà, donc, on va vous garder un peu. Donc les messieurs, dames, en profitent de la présence du broyeur pour nettoyer un petit peu leur jardin. Voilà. Donc hier on a fait celle-là. On a fait celle-là. Qui était au-dessus du cabanon. On a fait celle-là. 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 Et celle-là. Voilà. Petit travail sympathique. Donc pas ça, hein. Ça non. Non. À cause de ça. Que... Voilà. Mais non, c'est... Voilà. C'est ni ça parce qu'il y a des vis. Il y a des clous dedans. Voilà. Donc ça non. Ça non, mais ça oui. Voilà. Non. Ça c'est bon. Voilà. Donc on les sait pas, on leur fait passer parce que ils avaient un tout petit broyeur Bosch.
faire un petit peu le résumé de ce qui s'est passé pendant ces deux jours, parce qu'on était vraiment très 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 fatigués. On en a beaucoup. On était fatigués. Voilà. Donc travail en collaboration avec Rémi et Richard. Donc il y avait Richard, il y avait Caro, sa femme, Caroline, il y avait Rémi, il y avait mon petit frère Candide, ma femme Noémie et moi. Donc voilà, on a coupé 13 sapinettes, 13 belles sapinettes, belles haies qui avaient été oubliées et laissées partir pendant une quinzaine d'années. Donc ça gênait tout le monde, ça gênait le cabanon, la piscine, ça gênait les voisins parce que ça débordait de pratiquement 5 mètres. On voit mal sur la vidéo, mais c'était très 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 large. Voilà. Alors que la première journée, on a sorti 12 camions de déchets broyés. La deuxième journée, on en a sorti, alors je crois que c'est, je crois qu'ils ont fait... Ils ont fait, je crois que c'est 10 tours chacun, donc ça fait 20 camions. Donc elles étaient bien plus grosses, bien plus larges, bien plus, bien plus tout d'ailleurs. Donc dessous il y avait la piscine, il y avait la maison, il y avait la pantille, enfin il y avait plein de choses quoi. Il y avait des dalles, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait pas casser. On était du côté de Péchaud, pour ceux qui connaissent. Au-dessus de Sagela, là-bas. Et on en a bien chié. Voilà. Donc, c'est un travail en collaboration, une entente avec les deux autres entreprises, donc Rémi Nature et Richard. On travaille souvent à tous les trois. On s'entend comme ça, c'est-à-dire que quand nous, on a besoin d'un coup de main sur de l'évac, ben, ils viennent. Et quand eux, ils ont besoin d'un coup de main sur les lagages, c'est nous qui allons, voilà, on y va, on fait les lagages, on fait les vacs avec eux et tout, voilà, on fait notre partie à nous. Voilà, c'était un peu l'explication de tout ça. Voilà, le broyat n'a pas été jeté, le broyat a été recyclé dans une propriété qui est à côté, avec des gens qui travaillent sur le bio. Le bois a été aussi recyclé dans la même propriété parce que ils ont un énorme four à pain. Alors on vous a pas fait voir tout ça parce que j'avais pas le temps, j'avais pas de pile. C'était un jeudi, un vendredi. On avait promis aux clients qu'on aurait fini le vendredi soir, donc j'ai pas eu le temps de tout vous faire voir et tout vous montrer. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. Donc tout a été recyclé. Tout a été revu, enfin tout a été donné. Voilà, on a tout donné. Parce que le broyat, nous, on n'en fait rien. Voilà. Donc sympathique. Les clients très contents. Bon chantier. On est très fatigué. Hein. Voilà. On est très crevé. Parce que là, c'était jeudi et vendredi. Là, on est dimanche. Donc on a un peu arrêté, puisque hier on en a fait un autre, rapidement, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de filmer. Voilà, on a fait une taille de marronnier hier, on a fait une taille un petit peu marronnier entre une maison entre deux maisons d'ailleurs, une maison qui est en train de se restaurer, une maison dans laquelle les gens habitent. Donc sympathique, belle taille, et broyé et tout. Là on est dimanche, donc mardi on va juste en bas, là, en bas de là où j'habite, et on va faire une taille de chêne dans un très très beau domaine. Voilà, quelque chose de beau, quelque chose de assez sympathique. Voilà, broyé, évacué comme d'hab, mais là il n'y a que nous. Richard, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, c'était un peu pour les explications de fin de chantier.
Désolé, j'ai pas eu le temps de vous faire voir le chantier après et tout ça. Après, ça a été ramassé, ratissé, nettoyé, soufflé. Et toute la réalisation fin de chantier nettoyage. On a sorti, je crois que c'est un camion de copeaux, un camion de qui traînait par terre. Voilà. Et un autre camion vraiment de déchets que je pense qu'il n'y a pas moyen de recycler. Voilà. En espérant que vous aimez cette vidéo et puis à très bientôt pour de l'élagage. Allez, à ciao ciao tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures.